Tu rentres à Denerval lundi, du coup? Au lycée? Ouais. Stressé? Si, je suis chiant d'être la nouvelle, quoi. Ça va, les petits potes? Ça va, quoi? Tranquille? C'est quoi ici, exactement? Le CSO, Centre spécialisé dans les troubles du sommeil. Paradis des somnambules et des narcoleptiques. Comme Sébastien? Comme Seb, ouais. Sébastien Fermier, enchanté. Eva. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Eva? Je t'ai vu à la Veiga. On passe à la vitesse supérieure, d'accord? T'es sûr que c'est pas dangereux, ton truc? Prenez quoi, exactement? De l'isélotropine. C'est un médoc que chope à la clinique. Ça donne aux rêves une puissance incroyable. C'est plus qu'une drogue. C'est un voyage. Au bout d'un moment, alors que t'es toujours réveillé, il se passe un truc. Et les rêves se mélangent à la réalité. Tu vois cette frontière entre le rêve et la réalité? Je la franchis tout le temps. Et jamais de bad trip. Si on avait quelques ratés au début, ce qui est important, c'est que maintenant on gère. Sébastien est perdu. Dans un endroit que je peux voir dans mes rêves. Si ton ami a vraiment été happé par ce cauchemar, comme tu me l'as dit, on touche du doigt quelque chose. Alors je dois y aller. Je dois aller chercher. Attends, si tu peux nous emmener de l'autre côté, on vient chercher Seb avec toi, on part, c'était là rien foutre. Les gars, c'est tous en sombre. C'est vraiment vous? C'est bon, il est là. Viens avec moi, Seb! Une vie que je vois dans mes cauchemars. Elle porte un masque. Moi aussi, j'ai fait un rêve bien glauque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une saloperie qui nous tourne autour. Et ça nous fait tous partir en couille. Qu'est-ce qu'elle nous veut? On peut y arriver. On peut t'aider ici. Comment on fait pour être sûr qu'on est en train de rêver? Une chose est sûre, un rêve révèle toujours quelque chose de toi.